Oui, entrez. Ah, c'est toi. Vous avez demandé à boire? Oui, enlève d'abord ton manteau. Et ne le prends pas sur ce ton officiel. Il ne s'agit pas d'une rencontre entre confrères avocats, mais entre père et fils. Hein. Mais pourquoi vous m'avez convoqué dans votre bureau? Je voulais avoir avec toi une conversation seul à seul. Ah. Assieds-toi. Caroline va bien? Oui, oui, elle va très bien. Il est vrai qu'elle est enceinte de moi, seulement. Ah, au moins vous n'avez pas dit déjà. Que veux-tu dire? Mais je m'attendais plutôt à ce que vous disiez qu'elle est enceinte depuis déjà un mois. Mais non, voyons. Non. Tu dois comprendre que nous ayons d'abord mal réagi à l'annonce de cette nouvelle. En effet. Sans être vieux jeu, ta mère et moi, nous sommes d'une autre génération, celle qui vous précède. Et nous avons été élevés par une autre génération, celle qui nous a précédés. Nous sommes quasi d'une autre époque. Tout de même, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est en changée. Nous le savons, nous le savons. Mais c'est un peu comme la maladie, on ne la connaît vraiment que lorsqu'elle nous frappe. Mais maintenant que tout est apaisé, ta mère aimerait savoir ce que tu comptes faire en ce qui a trait à ton mariage. Eh bien, je vous l'ai dit, nous allons en devancer la date. Marie-Hélène souhaiterait que les choses se fassent le plus tôt possible, si c'est possible. Mais au moins, on ne se marie pas comme ça du jour au lendemain. Non, bien sûr. Mais les choses étant ce qu'elles sont, et Caroline étant dans l'état que nous savons, ta mère croit qu'il serait peut-être bien de le faire rapidement. Mais pourquoi donc? Quand une femme est enceinte, après un certain temps, ça se voit. Et maman craint que ça ne se voie le jour du mariage. Il n'y a pas que le jour du mariage. Il y a aussi celui de la naissance de l'enfant. Que voulez-vous dire? Nous croyons comprendre, Marie-Hélène et moi, que Caroline est enceinte de moi. Alors, si la naissance de l'enfant devait subvenir 7 mois... après le mariage, on pourrait toujours conclure à... Un accident de la nature. Mais oui, oui, il y a des enfants qui naissent prématurément. En somme, maman voudrait que l'on se marie prématurément pour faire croire à une naissance prématurée. Tu dois la comprendre. Difficilement. Écoute, tu es d'abord tombé amoureux d'une jeune fille d'un autre milieu. Ensuite, tu es parti habiter avec elle. Et voilà maintenant que tu nous annonces que cette même jeune fille en question est enceinte. Ah. Mais la jeune fille en question, comme vous dites, sera ma femme dans quelques mois. Oui, mais... Et pour reprendre vos arguments dans le même ordre, je vous rappellerai que Caroline est la fille d'un homme qui vient du même village que maman. Ensuite, que si nous habitons ensemble, c'est parce que je le lui ai demandé. Et que si nous attendons un enfant, j'y suis un peu pour quelque chose. Mais ne te fâche pas, voyons. Je ne me fâche pas, je rétablis les faits. Nous allons devancer la date du mariage, mais il ne se fera pas dans un mois. Ah, comme ça, être enceinte. Et ça fait une autre, hein? De ce que j'ai pu comprendre, ça sera passé la nuit de leur fiançailles. Ouais, il s'en est passé des affaires cette nuit-là. Je pense qu'on est aussi bien d'aller passer les fêtes à Saint-Cyril. On aurait évité 2 bébés. Comment ça, 2 bébés? Ah oui, celui de Mme Édouard puis celui de Caroline. Ça va? Oui, parfait. Oui. 2 doigts. En tous les cas, ta mère aimerait rencontrer au plus tôt Monsieur et Madame Moineau. Ah, mais elle n'avait qu'à venir dimanche dernier au baptême, ils étaient... Pierre-Paul, tu sais très bien que ta mère n'était pas en état de rencontrer les Moineaux ce jour-là. Merci. Mais elle m'a dit ce matin qu'elle voudrait amorcer au plus tôt avec eux les préparatifs de ton mariage. Même s'il ne se fait pas dans un mois. D'abord, ce n'est pas seulement mon mariage, mais celui de Caroline aussi. Et je crois que dans les circonstances, c'est à M. Moineau qui revient de décider de la noce. C'est lui qui marie sa fille. Et notre fils? Ah non, mais votre fils se marie avec sa fille. Nous n'allons tout de même pas laisser l'entière responsabilité de la noce à M. Moineau. Mais pourquoi pas? Parce que... il en coûterait trop cher. Il fera une noce selon ses moyens. Mais tu sembles oublier... que ta mère et moi, nous n'avons qu'un fils. Et alors? Eh bien, Marie-Hélène aimerait que la noce ait une certaine envergure, un certain décorum, mais il en coûte cher et nous voudrions partager les frais avec M. Moineau. Ah, c'est tout. S'il le veut bien. Pourquoi ne voudrait-il pas? Mais parce qu'il a sa fierté. Mais nous avons la nôtre, nous aussi. Ça vous fait un autre mariage en vue, ça?
Oui, mais cette fois-là, ça va en être un vrai. À l'église. J'ai trouvé ça sympathique l'année passée quand ta fille Isabelle a marié son monsieur Jolicoeur. Oui, mais moi, j'aimerais pas ça me retrouver au palais de justice. Il semble de voir le gars en avant encore en train de lire le code civil. Oh. On serait cru en cours. J'en ai vu un mariage civil. J'ai trouvé ça pas si pire que ça, moi. Pas ta fille non plus. Non, cette fois-là, là, je m'en vais louer une salle et un orchestre, tout, on va faire un vrai. Alors, je me demande ce que les pinsons vont dire de ça, moi. Les pinsons, ils diront ce qu'ils voudront. Pas de leurs affaires. C'est moi qui fais un os. J'ai pensé de louer la salle l'oiseau bleu, là. Ça a réussi, t'en as rien? Ben oui, c'est dans un deuxième, mais c'est beau. Après ça, l'orchestre est compris dans le prix, toute l'affaire. Là. Ouais, la musique western. C'est que t'aimes pas ça, la musique western? Oh, moi, j'ai rien contre ça. Mais il me semble de voir les pinsons dans la salle de l'oiseau bleu. Les pinsons, là, s'ils sont pas contents de l'oiseau bleu, ils resteront chez eux. Je te dis que tu sors par des journées froides. Oh, c'est pas grave, le bébé est au chaud. Si ta maman m'a laissé en allant au bureau. Hein? J'ai rencontré Caroline hier. Oui? Puis on a décidé de vous emmener souper au restaurant, papa puis vous. Toi puis Caroline? Mais non, pas toute seule, avec Armand puis Pierre-Paul. En quel honneur? C'est que Caroline et Pierre-Paul voudraient discuter de leur mariage, la date. Mon Dieu, on aurait pu faire ça à la maison. Oui, mais ça va vous faire du bien, après toutes ces émotions, une soirée un peu distrayante. Mm-hmm. Ton père est-il au courant de ça? Non, mais est-ce qu'il va venir dîner à la maison? Oui, oui, ça devrait. Oui, mais je vais lui en parler. Ton père, tu sais, les soupers au restaurant, là, il est pas fort fort là-dessus, hein? Mais laissez-moi faire. Ouais, ben, je te dis que faire du taxi l'hiver, mon Roméo, ça commence à être moins drôle. Ah, je te comprends. Dépanneur Roméo, bonjour. Monsieur Monod? Oui, 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 il est ici. Une minute, là. Pour toi. C'est-tu ma femme? C'est ta femme, elle a une grosse voix au téléphone. Ouais. Non, non, ouais, c'est un homme. Hello! Dona! Ah, ouais, où est-ce que t'es? Eh oui, je sais bien que t'es au bout du fil, mais tu es à Montréal ou bien à Saint-Cyril? Quoi? T'es au Japon? Ah, avec de te coucher? Oui, toi, là. Ben oui, mais il est juste 10 heures de l'avant-midi. Ah, là-bas, il est minuit, ben c'est vrai, ouais, les Japonais, ils ont de l'avance sur nous autres, ouais. Fais-tu, ben, je veux dire, faites-vous un beau voyage? Ah, à hâte de revenir. Pendant que j'y pense, il y a un gars qui voudrait te parler. Oui, il m'a demandé de te faire un message. C'est Maître Pinson. Oui, as-tu son numéro de téléphone avec toi, là? As-tu là? Ah. Si vous voulez savoir ce qui se passe à Montréal, ben, ça sera trop long de raconter ça au téléphone. Non, non. C'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Arrivederci. Ben oui, je sais bien que c'est en italien, mais je connais pas le japonais. Quoi? Sayonara? Ouais, ben je pense qu'on est aussi bien de saluer en québécois. Salut! Salut! Salut. Ben, hey, il appelait du Japon. Du Japon? Ah, ouais. Hé, hey, mais on entendait sa voix comme s'il avait été à côté. Ouais, non, il peut pas être à côté. Ils ont 14 heures d'avance sur nous autres. Qui s'y garait ça, hein? Quand on était jeune à Saint-Cyril à l'école, on achetait des petits chinois. À ce temps, il est rendu, lui, au Japon, en train d'essayer de le vendre des cochons. C'est entendu qu'ils vont devancer leur date de mariage un peu. Ils ont pensé faire ça au mois d'avril. Qu'est-ce que les pinsons vont dire de ça, hein? Bon, les pinsons, c'est pas eux autres qui décident. C'est Caroline et Pierre-Paul. Ils devaient justement rencontrer son père aujourd'hui pour en discuter avec lui. Mais j'ai l'impression, moi, que c'est plutôt avec elle qu'il aurait dû en discuter. Oh, elle! C'est vrai qu'elle est mortifiée un peu de ce temps-là, hein? Son dos n'a pas pris qu'elle s'est fait chiper par la femme du juge. Isabelle, voyons donc! Mais quoi? Elle aimait ça se faire tourner autour? Et puis, je suis sûre là, que Maître Pinson doit être soulagé. Ah, oh, en parlant de M. Beaupré, il a appelé justement tantôt. Ah, il est revenu de son voyage au Japon? Mais non, il appelait de Tokyo. De Tokyo? Mm-hmm. Il voulait parler à ton père. Je lui ai dit de prendre une chance au dépanneur. Oh,
Bon, c'est vrai que lui, un téléphone de plus ou de moins, ça lui pèse pas sur le bras. Non, ça doit pas. Une femme non plus, ça m'a l'air. Isabelle! Dis-moi, tu avais l'air étrange au téléphone. Ah, oh, bien, y a de quoi. Depuis des jours que je garde ce secret, je n'en pouvais plus. Il me fallait le partager avec une amie. Tu as bien fait de m'appeler. Mais dis-moi, est-ce si grave? Oh, c'est en tout cas irréparable. Mais assieds-toi. Mais ne s'agit pas ton histoire avec M. Beaupré, au moins? Mais non, il est au Japon avec Henriette. Ah, c'est pourtant vrai. Eh bien, tu sais très bien, Hortense, qu'il n'y a rien eu entre lui et moi. Hein? Mais alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est Pierre-Paul. Ton mari? Non. Notre fils. Figure-toi que sa fiancée... Non, elle l'a quitté. Bien au contraire. Mais explique-toi. Explique-moi. Elle est enceinte. Oh non. Ne me dis pas qu'elle l'a trompée. Malheureusement, non. Elle est enceinte de lui. Ah bon? C'est bien là l'ennui. Comment donc? Mais oui, si elle était enceinte d'un autre, il romprait. Marie-Hélène, comment peux-tu souhaiter une chose pareille? Mais je ne la souhaite pas. Pas vraiment. Mais je dis seulement que si la chose était arrivée, elle nous aurait évité ce mariage. Mais quand avez-vous su qu'ils attendaient un enfant? C'est Pierre-Paul lui-même qui est venu nous l'apprendre. Ah, c'est un beau geste de sa part. Tu trouves? Il nous a affrontés, mon mari et moi, avec une désinvolture incroyable. Et il a refusé obstinément que je mette en cause sa Caroline bien-aimée. C'est-à-dire que si l'enfant est de lui, ils sont en cause tous les deux. Je ne serais pas du tout étonnée qu'elle l'ait fait exprès. Mais tant mieux! Plaît-il? Mais oui, tant mieux! Si l'enfant qu'ils attendent est désiré, souhaité, attendu. Ils auraient pu attendre pour l'attendre. De toute façon, l'enfant les aurait attendus. Mais tant qu'un enfant n'est pas conçu, ne peut pas être désiré. Ne trouves-tu pas qu'il vaut mieux avoir un enfant désiré un peu plus tôt qu'attendre un peu plus tard un enfant qu'il ne serait pas? Mais tu oublies que mon mari et moi, nous ne l'attendions pas. Quoi, votre fils? Mais non! Mais non, celui de Pierre-Paul, enfin, celui de Caroline. Tu imagines notre choc quand il est venu nous annoncer la chose. Mais quoi, Marie-Hélène, ce n'est pas une chose qu'il vous a annoncée. C'est un être humain. Mais c'est une façon de parler, je vais dire, nous annoncer la nouvelle. Il doit rencontrer son père aujourd'hui. Mon mari voudrait le persuader de devancer son mariage. Mais pourquoi? Mais pour éviter que cela se sache dans notre cercle d'amis. Marie-Hélène, ce sont des choses qui arrivent de plus en plus de nos jours. J'en parle peut-être à mon aise, n'ayant pas eu d'enfant. Mais par ailleurs, je peux en juger avec beaucoup plus d'objectivité. Oh, tu crois? Mais oui, tous les gens que je connais qui ont eu des enfants ont connu ce genre d'expérience, et même certains bien pires encore. Quand votre fils soit venu lui-même vous annoncer la nouvelle, et qu'il ait pris parti pour celle qu'il aime, ça va de soi. Tu trouves? Si j'avais été aimée comme la Caroline de ton fils, je crois que je me serais laissé faire un enfant, moi aussi. Mais Hortense! Ben vrai, là, vous avez dîné! Oui. On avait un peu de temps libre, je suis venu voir Isabelle. C'est-tu fait, hein? Vous comprenez, le temps approche, je m'inquiète un peu. Oh. Un peu? Un peu beaucoup, oui. Ben, n'ayant jamais eu d'enfant, n'ayant jamais été père, ça me rend nerveux. Oh oui, ça le rend nerveux. Et c'est rendu le moment qui me réveille la nuit pour me demander si tout va bien. C'est mieux de se faire réveiller par un homme qui est là que par un homme qui n'y est pas. Pardon? Je veux dire, il y a des hommes qui réveillent leur femme la nuit parce qu'ils rentrent trop tard après avoir fêté, hein? Ah, bon, oui. Mm-hmm. Ah, ben, au fait, M. Moineau,
Ah, non, il devrait pas tarder. Il a appelé tantôt pour dire qu'il viendrait dîner. Isabelle vous a sans doute mise au courant pour ce soir? Ben oui. Vous voulez nous amener dans un grand restaurant? Ah, oh, ben rien de bien extravagant, rassurez-vous. Vous savez, Marcel-Marie, il aime pas bébé ça, les endroits trop chics. Non, 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 nous irons dans un petit restaurant tranquille où nous pourrons barbarder à 13 avec Caroline et Pierre-Paul. Ils sont dans une situation délicate. Ouais, ils l'ont pas volé. Mais voyons, mon maître. Oui, mais il faut les comprendre, ils sont jeunes. Oui. Ils s'aiment. Ils sont pas les premiers. Non, mais chaque histoire d'amour est unique. Et recommence, pour ainsi dire, le monde. Oh, c'est-tu beau, hein? Je te dis que c'est l'hiver pour de bon, là. Ah, ben, mon Dieu. Bonjour. Joli cœur, Isabelle. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, rien de grave, rassurez-vous. Avec le mot qu'on vient de passer, là, je m'attends à n'importe quoi, moi. Tu vois, comment ça va? Ah, ça va bien. J'ai juste hâte que le bébé arrive. Ah, il va arriver. Il va arriver. Mmh. Isabelle est venue passer l'avant-midi avec moi. Toi aussi? Non, 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 non. Moi, j'ai passé l'avant-midi au bureau. Qu'est-ce que tu fais ici, d'abord? Mais voyons, papa. Je suis venu vous inviter à souper. Chez vous? Non, non, au restaurant. Mon Dieu, en quel honneur! C'est drôle, ça. Okay, qu'est-ce qui est drôle là-dedans? Maman a dit exactement la même chose tantôt. Ah oui, un calendrier? Oui. On n'a pas marié ensemble depuis 35 ans pour rien. Ça déteint. Bon, ça marche dans l'agence de voyage? Ah, ça voyage. Hein? Ça voyage, oui. Et ce temps-ci, les gens vont surtout dans le sud. Ah, je les comprends, oui. Ça vous tenterait pas une semaine ou deux en Floride avec Mme Moineau? Mon poids est moyen. Oui, mon agence pourrait vous organiser un petit séjour à un prix très avantageux. Mon jeune, si on n'a pas un moyen d'y aller au prix ordinaire, là, on n'a pas un moyen avant tout. Coulon, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là d'aller souper au restaurant? Là? Ils voudraient qu'on aille manger au restaurant avec eux autres, Caroline puis Pierre-Paul. Mais pourquoi ça? Ben d'abord, ça donnerait une soirée de répit à Mme Moineau, qui a une période des fêtes très mouvementée. Ouais, puis après... Bon. Tu voudrais-tu une bonne petite soupe, mon pète? Oui. Une bonne soupe chaude préparée par sa femme. Ça réchauffe son homme, ça. Puis, après? Ben, c'est que Caroline et Pierre-Paul voudraient discuter avec vous de leur mariage. Ah oui? Oui. Ils ont une idée sur la date, puis ils voudraient avoir votre opinion sur la noce, sur le mariage. Il aurait été mieux de me demander mon idée avant de faire leur bébé. Marcel-Marie... Non, mais j'ai pas le droit de donner mon avis là-dessus. Ben oui, ben ah. Oui, ben tu viens de le dire toi-même, là. Il est trop tard, à cette heure, c'est fait. Oui, vous savez que Pierre Foy a rencontré aujourd'hui son père à ce propos. À propos du bébé? Non, 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 du mariage. Et c'est de ça qu'il veut vous entretenir ce soir avec Mme Moreau. Non, mais il aurait pu venir à la maison, ça l'a fait pareil. Mais savez-vous, nous en avons discuté, lui et moi, et nous avons pensé que ce serait très agréable de se rencontrer dans un restaurant synthétique. Oui. Pas trop tard, au moins? Non, 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 à l'heure qui vous conviendra, hein, Isabelle? Ben oui, on peut venir vous chercher vers 7 heures, hein, par moi. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça pourra pas être plus de bonne heure. Ah, ben oui, mais mettons 6h30. Merci. Mm. C'est pas un endroit où il faut s'habiller comme une carte de mode, là, tout haut. Non, non. Non, mais venez pas habiller en chauffeur de taxi non plus. Ben non. Tu mettras ton beau gilet là, que Caroline et Pierre-Paul t'ont donné en cadeau de Noël. Oh oui, oui, c'est vrai, il va bien, hein? Ça va de la pinçon qu'il l'a choisi, je suppose. J'espère que papa va être de bonne humeur. Mais pourquoi pas? Oh, je le connais, lui. Juste s'habiller pour venir ici, c'est une vraie corvée. On aurait peut-être mieux fait d'aller à la maison. Hein? Mais non, mais non, mais Isabelle et M. Jolicoeur vont être là, eux aussi. C'est vrai que M. Jolicoeur, on dirait qu'il a le tour avec papa. Mais, faut dire que c'est un homme charmant, et puis, il est plus âgé que nous. C'est vrai. On aurait peut-être dû lui confier les négociations avec ton père, au sujet du mariage. Armand Jolicoeur, négociateur en chef. Oui. Moi, je le vois très bien, entre ton père et ma mère, oui. Oui. À part l'enfant là, que nous attendons, je ne vois personne entre nous. Moi non plus. Tiens, je pense que c'est eux autres qui arrivent. Sylvia, bonsoir. Nous sommes à la table de Pierre-Paul Pinson.
Ah, voilà. Bonsoir. Voulez-vous nous apporter les apéritifs que j'ai commandés, s'il vous plaît? Voilà. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Ça va bien. Vous vous asseyez près de moi? Oui, c'est bon. Monsieur Moineau, vous vous asseyez à côté de Caroline. Vous, là? Oui. Bonsoir, Caroline. Voilà, ma belle. Merci. Ouais, ben. Ça va, sympathique. Je trouve ça pas mal chic. Ouais. Non, c'est très simple, vous allez voir. Écoute, non, pour ça, Jean-Marc, ça, il y a rien que toi et Isabelle qui se séparent. Ah, ben nous autres, c'est parce que nous attendons un enfant. Oui, mais eux autres aussi. Oui, mais pas dans un mois. Ah. Ah, c'est pour madame le pied. Monsieur va prendre la bière légère. Oui. Merci. Voilà. Et ici, l'eau minérale. Merci. Et je pense que nous devrions boire à la santé de madame et monsieur Moineau. C'est une excellente idée. Non, merci. On devrait plutôt boire à la santé des deux bébés qu'on attend. Oh, non? Père, mais faites exprès. Mais quoi, je peux plus dire un mot? Je m'en retourne à la maison, moi. Ah. Comment, pas si fort? Non, vous avez raison. Nous sommes ici pour causer. Hein? Ainsi donc, tu as rencontré ton père? Oui, je dois vous dire tout de suite que lui et maman se sont réconciliés à l'idée que nous attendions un enfant. Oh, il s'excuse de ne pas avoir été là dimanche dernier là, pour le baptême, parce que maman n'était pas bien. Ouais. Ça ne te va pas, non? Caroline m'a dit que vous aviez décidé pour une date pour le mariage? Oui, j'ai pensé au début du mois d'avril. Un samedi? Oui, c'est un samedi. Février, mars, ça me donne quasiment 2 mois, ça. Mm-hmm. Qu'est-ce que ton père dit de ça, toi? Ah, bien, savez-vous, je ne lui ai pas parlé de la date. Elle parlait de quoi, d'abord? Eh bien, il m'a surtout laissé entendre que si vous et Mme Moineau étiez d'accord, bien sûr, il aimerait ça apporter sa contribution. Ah oui? Oui. Ah. Quelle contribution? Bien, il m'a fait comprendre que de nos jours, un mariage, une noce, hein, ça coûte très cher. Ah, ça dépend. Ça dépend. J'ai parlé avec le propriétaire de la salle Oiseau Bleu, là. Oh, père, pas l'Oiseau Bleu. Ben, pourquoi pas? Oh, c'est dans un deuxième étage. Ah oui, mais ça leur fera plus rien que 5 étages à monter après la noce. Je comprends pas, là. Ben oui, les nouveaux mariés, ça monte au 7e ciel. Ah, ben ça. Santé.